Le gagnant de la World Cup Football Duo est un ancien joueur pro Minecraft. C'est qui? C'est qui a gagné? À quoi? C'est un enfant de 14 ans. Sérieux? 14 et 16 ans? Et les mecs, ils gagnent 3 millions de dollars? Ça va, hein? Chacun 1,5 million. Ah, putain, merde! 1,5 million à 14 balais. Ça pouvait pas être joueur pro Minecraft. Il a bien fait d'aller sur Fortnite, t'aurais pas gagné 1,5 million sans Minecraft. Hein. Avec 1,5 million, tu peux toujours pas payer la config de MV. Pour donner un ordre de grandeur, ça fait combien de vies, 5 Ok, alors. Ok, le Void Metal. Ça on a, il faut juste du Vacuos. Ah. Ah! On a foutu où nos Void Bidule truc? Ah, oh, ah, oh. Oh? On avait des Void Seed, non? Je les ai plus. Elles sont... Me dis pas qu'il a acheté les trucs qui les contenaient. Pourquoi on les voit pas? Il y a des items indispo. J'ai besoin de mes Void Seed RT. Qui est en train de tout déplacer. Où il déplace ça? Non, mes Void Seed. Tiens, tu me dis stop. Putain, la technique de blédard. C'est toujours pas ça. C'est pas ça. Ça m'inspire pas confiance là. Mais c'est celles qui sont tombées. C'est trop dur à avoir les Void Seed. Mais comment est-ce possible? Où est-ce qu'elles ont pu être? Je suis sûr de les avoir rangées dans mon underpush. C'était ces trucs là hein. Ah, Soon TM. Mais où est-ce qu'il... Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Montre-moi tout. Mais c'est pour faire des graines, c'est long en plus. Ah, mais ils sont là. C'est ceux-là? Je vais check en vrai. Fuck, c'est dans aucun de ceux-là. C'est pour ça que ça lag. Comment tu comment ils transfèrent ça? C'est où que tu transfères ça, Az? Derrière le chest. Quel chest? Oui, quel chest? Ah, c'est ici. Pourquoi ça transfère rien, Az? Ah, parce que ça marque les vidées après. Ok. Mais pourquoi t'as pas foutu des accélérations card, là? Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, ça va un peu plus vite là, non? Et oh. Ah ouais, c'est un peu plus rapide quand même. Ouais, écoutez, on va voir si ça apparaît. Hein. Toujours pas mes voids, hein. Attendez, j'ai une idée. J'ai une idée qui semble saugrenue, mais que j'aime. Merde, ça marche pas. En vrai, y a plein de types là-dedans, donc... Allez, mes graines, là! En plus, j'en ai eu 4, et 4, ça va me faire 4 lingots, et c'est exactement ce qu'il me faut pour faire ces Void Metal Seed. Et heureusement qu'il y a des graines, hein. Comment tu fais sans graines? C'est insensé. Oh, les voilà! Oh, bah j'en ai 15. C'est bon, elles sont là. Ah, Meno. Alors, on peut les utiliser pour faire un créatif. Ah ouais, mais via le nombre de... Ah oui, c'est pour... Ouais, non, on s'en bat les couilles. Je peux pas le faire encore. Missing recherche, Void Seed. Mais il faut que je les observe, je pense. Rends-moi mes graines. Les trucs noirs caca. Putain. Wesh. Non, mais c'est où encore la recherche Void Seed? Ça doit être là-dedans. Pourquoi ça déconne? Pourquoi ça déconne? Ça la valide pas. Hé? Pourquoi Tomcraft est cassé? Ah, cette partie du livre est buggée pour l'instant. Ok. On s'en fout. Il me faut vraiment un photovoltaïque cell 2. Sérieusement? Genre, tu viens de crafter un truc qui est l'enfer sur Terre et tout ça? Ça n'a pas besoin. Ok, alors. J'ai pas les recherches suivantes. Ok, alors attends. Évidemment, Alp se rapport pour unlock sur les Void Seed. Ça va être chiant. Il faut qu'un portail pop et que des Crimson Knight Cleric apparaissent. Mais quel portail? Ok, il m'a donné des conseils, Alps. Ah oui, observer le panneau en Tomium. Mais je crois que j'ai déjà fait. Non, je crois que cette branche-là... Elle est à 75% pourtant. Alors apparemment,
Ça va être. Il faut qu'un portail pop. Mais comment tu le fais pop le portail? Portail ressemble à ça. Mais comment tu le fais pop? Aléatoire, c'est-à-dire. Faut pas forcer le flux à la fermeture d'une faille. Sur soi, mais je vais avoir des problèmes, moi. Ah non, faut avoir le flux de mort ici, là. En fait, je me suis savonné pour rien. Ok. Ok, alors Alps m'a donné. Ouf. Ok, le lag, il est quand on regarde ici. Alps m'a donné une technique imparable. Qui s'appelle la technique de l'enculade. Apparemment, il y a une technique. On consiste à prendre de la glowstone. Et on va fumer le serveur. Donc, on va prendre un. On va augmenter notre. Comment on augmente notre instabilité? C'est ça que je comprends pas en fait. Ah! Il faut du warp. Faut manger des zombies. Des zombies brain? Mais bon, on m'a dit de pas en manger. Je peux pas en manger, je suis full bouffe. Cours, petit scarabée, saute. Merci les gars. Très honnêtement, soyons honnêtes 2 secondes. Par contre, les gars, autant les recherches du début de Tomcraft, si on lit bien le bouquin, on peut encore s'en sortir. Autant ce que vous me dites là, c'est impossible sans tuto. On est d'accord en fait. Genre, il t'explique jamais ce que c'est le warp, le flux, etc. Enfin, vite fait. Mais oui, en plus, c'est ça le pire. Ils disent qu'il n'y a aucun moyen du permanent warp dans le monde minage. Il faut que je mange. Attendez, il me faut une souleviale. C'est pas une souleviale vide. Bah t'as un paragraphe dessus, mais ils te disent juste, ouais, voilà ce que c'est le warp et faut faire attention. Mais tu sais pas quel niveau. En plus, t'as l'air d'avoir du warp permanent. J'ai l'impression que c'est le que tu peux pas descendre, que tu pourras jamais descendre et t'es niqué après en fait. Tu niques ta game quoi. Je nique ma saturation. Un gars qui fait Tomcraft sans avoir une fois détruit sa base avec la corruption n'est pas un vrai. J'avoue. Ouais, en fait, ce que je trouve dommage dans ce mode, c'est qu'il est frustrant en fait. Mais parce que si j'avais pas vos infos, jamais je pourrais faire ça. Je sais plus où j'ai mis le speed de mon armure, c'était pas J. Non, j'ai pas upgrade le mouvement de speed, pas sur celle-là. Si, dit, si je dois. Mais je peux pas régène. Attendez. J'en mange combien de brain? On le voit pas le warp? Si? Ah, si, ça y est. C'est le rose clair. Ah là, par contre, c'est du permanent warp que j'ai gagné. C'est pas bon ça. Vibre avec une petite barre noire dessus. Ok. Je fais confiance à Warognard. Il a l'air de tout savoir. Ah, j'en ai pas mal. Et je me suis fait taper des savonnettes pour rien au final. Ah, le permanent se retire quand même au savon. Donc, quoi qu'il arrive, à la savonnette ça marche. Je pense que je vais mettre beaucoup plus de spawners à Wisp hein, et trouver une méthode plus efficace pour les tuer. Bon, j'aurai bientôt des éclairs. Mais au moins, je comprends mieux le mode, hein. Non, par contre, qu'est-ce qu'il y a de choses dans ce mode? Bon, on est quasiment tout en haut là. On continue à manger. Miam 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 miam. Ça y est, j'ai les éclairs. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou j'en mange encore? Stop, sinon ça va être ingérable après. Qu'est-ce qui doit se passer? Bah, des cerveaux de zombies, j'ai faim encore moi. Et du coup, faut attendre, faut se balader, c'est ça? Ah, faut attendre les events du warp. Et comment je sais quand il y a un event? Ça fait du bruit, c'est ça? Non, il paraît, là on m'a dit ce qu'il fallait que je fasse. Mais je voulais la manger, ma truc! Mais non, mais même les MRE, il met là-dedans, mais quel enfer. Moi, je voulais juste manger. Bon. Alors, il paraît que la technique, c'est de faire ça. Mais ça les redonne pas tous. Au moment, ça en donne plus que ce que j'avais. C'est complètement buggé. C'est parce que l'arrivée d'eau n'est pas assez rapide. Pourtant, c'est. Ouais. On a combien? Ah, beaucoup, hein. Et là, normalement, faut qu'on fasse ça. Pardon? Alors, maintenant, il paraît qu'il faut que je fasse un truc pas très catholique. Attention, ça a l'air dangereux. Ah bon? Je suis pas sûr. Ok, j'ai eu un effet, mais c'est pas cool, hein. C'est pas ce qu'on veut, c'est ça? J'ai pas tout compris, mais. On n'a aucun autre moyen de. Ok. Oh, moi j'y crois à fond, ça va pas bugger. Ah, je vais gagner beaucoup de warp avec ça, mais si je m'éloigne.
N'inquiétez pas, c'est safe que je vous dis. Ah non, 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 pas la lave, pas la lave, pas la lave. Ah, ça y est, j'ai gagné des warps. Mais... Par contre, je gagne que des Void Seed, hein, c'est chiant. En t'éloignant, on dirait que ça marche. Ok, voilà, bah j'ai paniqué, je me suis approché. Alors attendez. Primordial Pearl, c'est un drop rare. Mais moi, j'y crois. J'y crois à fond. Alors, il faut qu'on fasse ce craft de ces morts. Ça, j'en ai plus besoin, j'en ai mangé assez de ces conneries. Boum. Tomo, Mikon. Une fois un Morphic Résonate. Ah, mais ouais, mais il me faut les rares Earths. Mais je sais pas comment on a ça là. Faut miner avec quoi ça déjà? Oh non, j'avais déjà vu, c'est chiant. Quels outils? Je loupe une balle à chaque fois ou quoi? Ah, c'était ça. Ah, bah non, ça va encore. Ah, mais non, mais il me faut une rare Earth. Comment on en obtient? Ouais, c'est pas grave pour les surcoûts. C'est un rare drop sur du cinnabar? T'inquiète, c'est pas si rare que ça. Mais du genre, attends, un rare drop, faut le miner avec fortune? Ah, le four multibloc! Ah oui! On balance du cinnabar dans le four multibloc, mais est-ce que ça fait du flux? Ça drop sur pas mal de minerais. Mais faut minerai quoi? Avec un atomique disassembleur, ça marche? Ok, donc je cinnabarise. Et let's go. Faut miner. Minage à la pioche. Tu peux en avoir surtout. Pourquoi j'en ai jamais eu? Ah, parce que j'ai jamais miné. Bouquin de kill. Alors, avec ce bouquin de kill, nous allons faire. Ah, du efficiency 5 qui se fait avec de la redstone. Et du fortune 3 qui se fait. Avec de l'émeraude. 27, mais j'ai les 27 levels. Il est où mon kill là? Ah, c'est vrai que ça se stack pas. Du. Oh! Ah, mais auto-smelt, c'est pas bon ça. Mending XP boost. Parfait. Ah, il y a Insight aussi. Bon, ben cool. 7 levels, il manque. Ça marche sur l'atomique. Par exemple, vous me dites four de. Four de Tomcraft, comment ça? Ah, le cinnabar, tu peux pas le miner, c'est comme le fer? Ah si, tu peux, regarde, regarde, ça donne de la redstone. Moi je me dis qu'à un moment ça va donner de la rare earth. C'est incroyable, c'est une source de redstone infinie. Tizenwand. Ça marche plus, quoi si. Ah mais je fais confiance à War Machin là. Ça marche avec le four? Ok, bon, on va faire avec le four, hein, Imhotep, parce que le four je sais ce que c'est. Bon. Hein? Boum, 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 boum. Il faut de l'obsidienne, des magma blocs. Je vais y arriver, oui. Pas des magma globes, des. Comment ça s'appelle? Nether. Brick. 12, 12, iron bar et lava bucket. Facile. Ok, on va le faire ici, le four de ces morts. Ensuite. Ça a marché ou pas? Comment on sait si ça marche? Il faut du Salis Mundus. Ah, ça produit du flux? Ok, merci les mecs. On se casse. Va le dire tout de suite. Ouais, en fait, tout produit du flux, hein. Ce mode, il est flex. Allez, allons vers d'autres horizons. Ah mince, il me fallait du bidule truc. Clic droit avec une baguette. Y a plus de baguette dans ce mode, à l'aide! Quand est-ce que vous aurez compris ça? Ouais, on va peut-être s'éloigner un peu. Non, c'est open. Ouais. Pinch of Salis Mundus, faut du Salis Mundus. Ah oui, d'accord. Pas le même délire. Wesh frérot, tu veux pas être un peu plus rapide? Intéressant, intéressant. Allez, c'est fini. Bon, du coup, là-bas, avec la méga truc, on a déplacé. Faudra re un saut de lave. Hein. Foutra un saut de lave en dessous. Ou du feu, je sais pas. On verra. Putain, elle est belle celle-là. Ah, faut que je mange de la rotten flèche. Paraît-il. Nice. Ok, ça c'est bon. On en a eu 8. C'est pas ouf, mais bon, vu le stack. Mais c'est suffisant pour ce qu'on veut faire, à savoir, je sais plus. Ça. Des Morphic Resonators. Par contre, comment on fait l'Alumentum? Ok. On en a.
Ah, c'est juste des nitors. Ok, les nitors, c'est facile à faire. C'est là-bas, d'ailleurs. Ah, ça se fait là-dedans. Ouais, my bad. Tu mets de la glowstone. C'est quoi? C'est 10, 10, 10? Oh, putain. Lux, Inis et Potentia. On va faire 12, hein. C'est Potentia, on en a pas beaucoup, je crois. Et ouais, choper, qu'est-ce qui donne de la poiscaille, là? Oh, qui donne 500, tant qu'à faire. Ah. Et 64K crafting storage. Parfait. Ça coûte pas cher, vous inquiétez pas. C'est faux. Pourquoi on a ça, d'ailleurs? Soulvial, faut qu'on les garde constamment sur nous. Si jamais on se fait attaquer par un mec par derrière, là. Manastil, mana tablette, j'en ai plus besoin, en fait. Pas oublier le bucket de lave, bien vu. T'as du colle pour faire du potentia? Ouais, mais c'est plus marrant si tu fais avec des 64 K storage unique, ça en fait plus. Bon, si on est déjà plus. Ouais, me faut du nitor. Merde, j'ai oublié la glowstone. On n'a pas un truc de glow. J'ai pas réussi à transformer mes RF pour faire fonctionner mon molecular transformer. C'est le quoi le molecular transformer déjà? J'avais dû faire tourner avec des EU particles à un moment, j'ai pas eu trop le choix. Je me souviens de ça, mais. Alors, faut en foutre 10 de chaque. Bon, foutre 64 de sac, ça va être trop. Et 20. Oh, j'aime pas quand ça fait ça. Ok, on a nos 20. Je les découpe par 20 pour être sûr de pas être embêté. Il y a besoin de foutre de la glowstone là-dedans, c'est ça? Ça m'a balancé la nitore dedans. Super. Quel plaisir. J'avais pas assez de place. Et ça m'a mis la. Ok. Voilà, bon. On a combien? 9, c'est pas mal, allez, bim. Sauf que je crois que. Il en faut beaucoup plus que ça. Ah non, il en faut deux. Ok, les alumentum, il nous en reste. Il reste plus que le reste à faire. J'espère que ça va le faire. Alors. Causality collapseur. Faut crapter ça. Mais je t'ai pas demandé 26. Et il me fume, hein. 4. J'ai gardé là mes rares hearths. Ouais. Et 4. Allumène tout mon. Ah, déjà, je crois. Je les ai laissés là-bas. 8, parfait, ce qu'il me faut. Redstone. Alors, il va me falloir du vitium et de l'aliénis. Je sais pas pourquoi je regarde ici. Vitium, on en a un peu. Et de l'aliénis, on en a très peu. Faut qu'on regarde comment la crafter. Hop. Il m'en faut combien de vitium? J'en ai même pas assez de vitium. Ah, mais on en a. Ah, c'est Flux Crystal, c'est ça? Je me demande si ça c'est censé pousser ça. J'ai jamais réussi à le faire. Bon, tu peux faire le truc comme ça, comme un connard. Alienis. Ah, ça marche avec les. Oh bah, Dice of Fate. Je crois que. Oh, je sais même plus croire que. M'en restait, non? Deux. Je vais pas aller loin avec ça, mais bon, c'est toujours ça. Des fiales. Voyons voir si on a assez avec ça. Au moins que j'en crafte une pour que je casse ça. Ah, j'allais dire j'ai oublié mes quartz, mais non. Mon S22 se refera pas, merde. Ok. Et l'autre, c'est quoi qu'il me fallait l'autre? Qu'est-ce qu'il faut que j'éclate l'autre? J'ai pas regardé la bonne. Merde. C'est la Lienis. Ouais, c'est la Lienis, j'ai pas regardé la bonne. Mais si les Dice of Fate, ils en font. Ils donnent les deux. Pourquoi ça l'a pas trans. Ça l'a pas transmis? Parce que j'ai mis mes cristaux. Ah oui, bah j'en ai, oui, 39 d'Alienis. Et il m'en faut. Ok, ça suffit pas. Je vais chercher du quartz. Alors, quartz. Et il me faut quand même.
De l'aliénis, faut que j'en trouve un plus simple. Trop de trucs là-dedans. Ah, les Ender Pearl, parfait. On est bon. On fout de l'aliénis. Normalement, j'en ai assez. Ouais, j'en ai 15, c'est bon. Ok! Il me faut plus que les jars. Les warded jars. Et donc, le craft de la causality, c'est deux nitor. Ah ouais, redstone. Faut de la TNT aussi. Ah oui, non, j'en ai assez pour deux, ouais. Et de la TNT. Je crois qu'on a tout. Mon gauntlet. Ok, on a tout, je crois. Ouais, ça se lance pas de toute façon si. Hein. Parfait. Donc, bah, on va refermer juste la faille en espérant qu'on ait. Primordial, mais bon, j'y crois pas trop. Alors, fermons cette truc. Ah oui, l'autre a droppé, effectivement. C'est pas grave, ça reste du vitium, mais bon. Non, malheureusement, c'est toujours la même chose. Non. Il y en a une autre qui est née, mais elle est plus petite. Donc on a réussi à virer tout le flux. Mais bon. Malheureusement. Bon, bah faudra qu'on en recraft. C'est un peu chiant, hein. Jusqu'à avoir la causality. En plus, il en faut plusieurs, je crois. Bref. Bah,